Brexit est le premier brique dans un mur de désunification européenne. Et c'est très très inquiétant. Tellement inquiétant que parfois on ne peut que rire, dans un sens très Monty Python, bien sûr. Je m'appelle Ed Alcock, je suis photographe depuis bientôt 20 ans. Je suis britannique, je suis né au Royaume-Uni et j'habite à Paris depuis l'année 2000. Je fais partie de l'agence Myop, agence de photographes basée à Paris. Littéralement, le lendemain du Brexit, j'ai appelé Le Monde. Ils ont sauté sur la possibilité, donc on est parti 2 jours, 48 heures après le Brexit. On voulait parler un peu avec les gens ordinaires dans les petits patelins, parce que les médias déjà ont beaucoup couvert le Brexit dans les grandes villes, ben à Londres, à Manchester, et on ne savait pas trop ce que pensait le peuple ordinaire britannique. En fait, j'ai trouvé un livre scolaire français des années 50 qui s'appelle Collection England. C'est en anglais avec des petites corrections, des petites choses pour rappeler aux écoliers comment prononcer certains mots en anglais. Déjà, on voit le niveau d'anglais qui était enseigné dans les collèges dans les années 50, c'est hallucinant. Et j'ai juxtaposé la continuation des images du road trip, j'ai juxtaposé sur les pages du livre. Donc on a cette sorte de va-et-vient entre le début et la fin de la partie de l'Europe. Et puis des juxtapositions de textes et d'images qui deviennent assez ironiques. Et je tisse ces deux séries ensemble avec une troisième série que vous allez découvrir si vous venez.